Yo les gars, c'est pas vous. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Premier run du Revo. Je l'avais déjà dit. Il est là. On est dans un nouveau spot que j'ai trouvé tout à l'heure. Quand j'avais déjà trouvé en venant ici. Hein. J'ai jamais roulé ce spot. Ok, j'y vais tout doucement les gars, parce qu'en fait je connais pas encore la machine. Je connais pas encore trop l'engin. Parfois, en plus il est largement gérable. J'imaginais un truc un peu plus puissant, mais c'est parfait. Pour moi perso, attendez, bougez parce que là il y a toutes mes affaires. On va tester des boss quand même. On va se tester des boss les gars. J'espère que tout le monde va bien. C'est quoi ce terrain de malade zinzin? Oh putain, non. Tout à gelé. Pour ceux qui veulent venir les gars, pour ceux qui sont pas là, ceux qui sont des environs, c'est un terrain à Arc-sur-Tille, donc vers Grès. C'est normal les gars, en fait j'arrive pas à fermer la carrosserie. Et merde. Voilà, merci. C'est pas grave les gars, je la fermerai après. Non, je vais pas tester les figures aujourd'hui. Il faut que je rôde un peu mes lipos. On freestylera avec le os. Là, en premier, c'est un petit test juste pour le Revo. Hein. Parce que c'est une machine incroyable. Moi qui n'ai jamais piloté de 1.8. Le frein est violent. J'irai sur le site pour. Sur le site, non, sur le. Comment ça s'appelle? Tu sais, le Manu m'a expliqué que le câble. On ira là-bas pour baisser un peu le frein. Le frein est violent. Moi qui. En vert, j'aime bien, il est repérable. Oh, ça décolle, dit. Le terrain il est incroyable, hein. J'aimerais rien venir plus souvent. Mon père il m'a amené ce matin, mais le terrain est à 40 minutes de degrés. Hein. Tu comprends, donc c'est pas. Les batteries sont neuves, hein, je tiens à dire. Donc peut-être pour ça qu'on a pas aussi une énorme punch. De toute façon, je m'en fous, c'était le premier run. Joli celui-là. Donc les gars, il y aura une GoPro qui va... Dès que je peux, je commande une GoPro. La GoPro. Je vais essayer d'en commander une. Donc ce soit mieux pour vous. Vous me direz de la qualité si vous aimez bien, si c'est nul. Vous êtes avec mon tel là, comme d'hab. Vous êtes avec mon tel. C'est un régal cet enfant. On doit être un petit 50, 60 à mon avis là. En l'air, il est très punchy. Hein. En l'air, il est très punchy, les gars. T'arrives à le rattraper sans quand tu veux. C'est très agréable.
N'hésitez pas les gars, pour les intéresser, ils peuvent aller sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos. J'essaie de faire plus de vidéos roulage. Parce que je sais que les vidéos roulage, c'est quelque chose de hyper bien. Moi, je kiffe rouler avec les engins. J'adore le bac à batterie du Revo. C'est impressionnant, c'est impressionnant. J'aime beaucoup son bac. Voilà, propre celui-là. Ça me fait plaisir d'être avec vous et pour rouler surtout avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous aurez plein de vidéos ce matin. Je suis parti au marché de Dijon. Si tu veux, Mika, à un moment donné, on pourra se retrouver peut-être ici, c'était Dijon. Parce que du coup, Dijon, c'est à côté, hein, les gars. Dijon, c'est vraiment pas loin. Ou Wart, c'est un coup de qu'on se retrouve ici. C'est un super bon terrain. Fuck, je l'ai enterré. J'ai rien réussi à fermer la carrosserie, j'y arrive pas. Bon, j'espère qu'on a rien pété, je pense pas. C'est un peu déséquilibré, c'est le problème les gars, des bosses comme ça, c'est qu'on se déséquilibre très facilement. Ok, oh, c'est vraiment un hyper bon terrain, je me régale. J'imagine même pas. Ok, c'est bon, rien de cassé, ça c'est cool. À part cette carrosserie. Ah, on a un problème, je crois, à l'avant. Non, non, c'est bon. Ah si, on a un problème. Ah merde. Eh bah tu vois, regarde-moi ça, on a pété net. Ah merde. J'ai des chapes. J'ai pris des chapes. Ah fuck. Ouais, il fait froid, hein, les gars. Je peux vous le dire qu'il fait très froid. Il doit faire moins 1, moins 2. Les chocs, ça ne pardonne pas. C'est pas grave. Hop là. Bouge pas, on va le faire ensemble. Alors, c'est pas grave, les gars. Fait chier qu'on ait pété. En plus, ouais, tu vois, on a pété au joint. C'est pas grave, j'ai pris tous les outils qu'il faut. Je me doutais qu'on allait casser de toute façon. J'ai pris des chapes. En plus ce matin, sans te mentir, j'avais hésité à prendre des chapes. Donc heureusement que j'en ai pris. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, c'est pas grave. On va vite faire réparer ça sur place. On va prendre ses chapes. Mais ça peut arriver, hein. C'est pas de la faute de l'engin, les gars. C'est pas grave. Ça peut arriver, les casses. Lise-toi, s'il te plaît. Ah bah merde, je crois que c'est le seul pas compatible, si. C'est juste, elle est bonne. C'est juste moi qui n'arrive pas à les mettre. Ah, c'est un peu chiant, ce genre de casse. Un peu de mytho. Voilà. Ah, il fait froid, les gars, hein, putain. Il fait froid. Ah, j'arrive même pas à réparer. Attends. Est-ce qu'il y aurait juste moyen de... Bouge pas. Je crois que c'est même pas les bonnes chapes. J'ai rien emmené, hein. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, les gars. Vous n'avez plus qu'à visser. Désolé. Ah, c'est pas grave, hein. C'est de ma faute, je vais pas te mentir. Merde, à l'antenne. Je l'avais calé et puis elle est sympa. C'est de ma faute, hein. C'était sur le côté. Ça pardonne pas les erreurs. Surtout avec ce poids-là, bouge pas. Avec ce poids là, sachant que l'engin, les gars, je le connais pas, hein. Dire que je ne voulais au début prendre aucun outil. Et bah tu vois, si j'ai vraiment rien pris, je serais dans la grosse des sauces. Une pince. Voilà.
ça me fume quand même. Et ce spot est hyper bien, hein, je tiens à dire. Le spot est hyper hyper bien. Mais pour moi, ce spot va venir en été. Voilà, on va juste... Ça va être chaud à tourner. Je vais prendre 30 minutes, c'est plus pour faire ça. C'est ça le problème, les gars, de ce petit révo, je pense. C'est peut-être des fois les chapes qui peuvent claquer. Quand t'atterris sur un côté, ça ne pardonne pas énormément les erreurs. Un peu... Tu vois, on y est presque. T'inquiète, mon gars, on va rouler. T'inquiète pas, panique pas. Limite, avance la vidéo. Si je peux faire une petite coupure au montage, ce sera cool. Attends, non, on va pas carrément péter la violette. Hein. Heureusement que j'ai pris l'échappe, parce que si j'avais pas l'échappe, mamma mia, le run n'aurait pas duré bien longtemps. Je vais pas te mentir, ça fait un peu chier. Mais c'est de ma faute, hein, je suis retombé sur le côté. Ouais, c'est chier. Je vais te dire, je vais le laisser comme ça, mais... Ah oui, mais attends, regarde. On va faire un truc plus simple. Bouge pas, un demi. Bouge pas, mon gars, c'est rien, c'est pas grave. Un demi, où es-tu? T'as des spawns ou quoi, mon gars? On va utiliser ça. Mamma mia! Ah voilà, yes! Toujours les gars, des petites techniques. Hein. La technique du vis, ça va peut-être apprendre à certains. Oh, il y a encore toute la vis. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars, c'est une petite casse. Je m'en fiche. Je sais que les chats pètent des fois sur le révo. Mani me l'a prévenu, mais c'est pas grave. Hein. On s'en fout. C'est du 2,5 ça, Alix. Je vais pas en prendre du 2. Oh, putain, je prends ma casse à outils. Je vais pas, les gars, j'en ai pour 2 minutes à chrono, je vous promets. Je vais nous faire attendre 3 heures. Et t'imagines bien, si j'avais pris aucun vis, le carnage que c'était. Voilà, bouge pas. Comme c'est par terre. Les déchets. Et cale-toi là-dedans. Voilà, bouge-lui maintenant. C'est où tu coopères ou tu meurs. Choisis. En tout cas, moi, je sais. Tu coopères pas, tu vas mourir. Voilà, mon gars. Ça va, hein. C'est une petite diélette. Gise-toi. Ouais, merde, c'est sûr que si je suis pas dedans, ça va être compliqué de visser. Voilà. Maintenir un peu. Sans forcer. Et voilà, c'est bon les gars, c'est fini. Heureusement que Mani, merci Mani hein, pour l'échappe. Que ça t'échappe, je crois que c'était bien la fin de ce run. On est reparti. On est reparti les bleus. C'est parti mon kiki. Attends, je m'assure que ça filme. 14 minutes. 14 minutes, une casse. On va y aller plus tranquille. Ouais, je vais te casser. Bon, et tiens, regarde. Joli. Sinon, j'adore le comportement du révo, les gars. J'adore son comportement dans les virages. Du coup, là, les gars, on a les cartes chinois, je le rappelle. Hein. On a les cartes chinois dessus. On a les petits cartes chinois. Avec le os, les gars, il y aura plus de freestyle. Hein. Le révo est plus lourd. Il faut prendre ça aussi en compte. Et surtout que...
Là j'y vais pas trop fort parce que c'est que le premier run des hippos. Il est massacré. C'est quoi le but de casser mon engin? Même si hein, je remercie encore Mani, parce qu'il m'a fait un bon prix. Donc merci encore à toi. Donc pour les intéresser, ceux qui veulent venir rouler ici, ils peuvent. Hein. Mika, après, il y a plein d'autres gens, il n'y a pas que ça. C'est juste les gens que je connais parce qu'ils sont dans ma chaîne. C'est souvent Mika, Warthog, Monsieur G-Speed. Tous ces gens-là qui sont beaucoup dans ma chaîne, donc merci à eux. Et plein d'autres gens. Hein. Les gars, je peux pas me souvenir de tous les prénoms. Ça va être compliqué pour moi. C'est un régal. Toi, on va avoir une petite vitesse, hein, mais moi, ça me suffit honnêtement. Pour les 10 premiers pas, que je veux être comme ça. À mon avis, Mani m'a mis un petit pignon. Je vous montrerai, je mettrai un plus gros rapport dès que j'aurai l'engin en main. Oui, je peux le casser maintenant. C'est suspect, c'est un régal à ce moment-là. On passe partout, on a un débattement de fou malade mental. J'espère que vous les gars vous roulez de votre côté, que vous éclatez, que vous versez. Moi ça va, j'ai fait une belle session avec le os. J'ai fait une très belle session même avec le os. Après les, avec le os ouais, à 8. Enfin non à Grès. Oh non, ah, c'était nul ça. Un plantage. Pas doué pilote. Aïe. Oh, mamma mia. Un cassé, s'il te plaît, du moins que ça cassé. Oui, c'est bon. Ah. Oh, putain, il y aura un gros coup de nettoyage, les gars. Hey. Il y aura un gros coup de nettoyage. Attends, bouge pas. Je veux juste pas que mon antenne elle aille nulle part. Oui, parfait, c'est bon. Voilà. On va essayer de mettre. Même si la carrosserie est dure à mettre, les gars. J'ai mis la chape renforcée, je sais pas si Mani avait mis l'échappe. Je sais pas si du coup Mani avait mis l'échappe avant. Je pense que c'était pas des renforcés. Là les gars on est en renforcé. Oh c'était joli celui-là dit. Mais on viendra en été les gars pour bâcher. Hein. Pour moi alors on va pas vraiment bâcher. Ça a pu être un gros roulage bien plaisir. Ça fait plaisir de filmer. Dès que je l'ai reçu, bah c'est du 1-8 hein, les gars, j'ai jamais piloté d'un 8. J'ai trouvé ça énorme. De toute façon je l'avais vu au rassemblement à 1000 bars, j'étais arrivé, donc j'ai roulé avec mon os comme d'hab. Et j'avais vu du coup un sledge et j'imaginais pas ça si gros. On est embourbé. Voilà. Ouais, t'as raison, Mani. Du coup, je vais garder ces pneus-là parce qu'ils sont vachement bien. A voir en 6S si ils sont. Chasseurs. S'ils sont un peu plus puissants. Hein. C'est les chasseurs. Chasseurs du dimanche. On touche quasi pas le sol. J'adore les réglages suspects de Mani. J'adore cet engin, ça va être un régal, je vais me régaler avec cet engin. Bien sûr, un RRO c'est moins 7-15 sledge, mais on a des grosses dents de diff. On a des gros roulements. Enfin, j'ai démonté le diff arrière, d'ailleurs très facile les gars, l'accès mecha. J'avais jamais démonté de RRO, et l'accès mecha est très facile, c'est vraiment. Tu vois là, je dois être à fond quasiment. Mais ça me suffit. Hein. À peine plus de punch, ça serait cool. Pour les bacs, bien sûr, mais pour l'instant ça me suffit. Tu vois, regarde. Tu vois, on a réussi quand même à le reprendre. Donc, attention les gars au choc sur le côté. Surtout qu'il fait moins 1, hein, moins 2 même. Ah, il était beau celui-là.
Donc ceux qui, les gars, qui veulent venir rouler avec moi, ils me font un petit com. Dans la vidéo, vu que ça va être à Mani, hein, je vais l'envoyer à Mani, je pense. Il va passer un peu sur sa chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux aussi. C'est Crawler 34, il me semble. Ça, c'est une de plus, l'abonné le plus récent. C'est cool. Merci d'être venu. Merci d'être passé sur la chaîne. Ok, là, ça pique du nez cette bosse. Avec l'os, on va se régaler. C'est vrai qu'au début je voulais partir sur un Arma Notorious, les gars. Comme a fait Thomas, je sais plus combien. Ou Warthog. Mais c'est vrai que j'ai kiffé le Revo. Hein. Quand j'ai regardé 2-3 vidéos de cette machine, c'est vraiment la machine qui m'intéressait. Au début je voulais acheter neuve. Bien sûr, neuve, il y a plein de trucs à faire. Les roues à changer, mettre les options, machin. Apparemment, une fois optionné, c'est une machine de guerre. C'est vrai que si Traxxas il lançait la production d'un Revo 3.0, ça serait cool, hein. T'imagines ou pas? Un Revo 3.0 avec cette fois des vrais pneus, genre pneus sledge. Sledgehammer avec. Ouais, avec les sledgehammer. Donc c'est des super pneus. Hein. Franchement, ça serait une dinguerie. Des vrais pneus, parce que ça, d'origine, apparemment les pneus sont merdiques sur le Revo. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, c'est vrai que le Revo coûte cher, je tiens à dire. C'est comme le sledge. Hein. Le sledge coûte cher. Oh, ce terrain est trop bien. Le sledge coûte très cher. Hein. C'était bien, les gars, si. Vous pourrez aller voir, les gars, la vidéo de comment il s'appelle, Batman RC. Ah, là il a parlé, les gars, du prix en gros de nos RC. C'est Traxxas, hein. Du sledge, du os machin, du rustler 4x4, etc. C'est vrai que quand tu regardes, ils sont une marge là-bas avec la douane, etc. Au final, ça te revient hyper cher. Non, je sais, j'aime rien prendre à fond, mais non, pas maintenant. Il fait trop froid, il fait moins 2, moins ou moins 2. J'ai pas envie de casser. Même s'il y a aucun problème, hein. Je m'en fous de casser, moi. Oh, c'est trop bien ce terrain, c'est un régal. T'as de la chemin, t'as des bosses. Là-bas, là-bas j'ai vu une dinguerie. On ira, les gars, un jour là-bas, où il y a le point d'eau là-bas, si tu veux. C'est vraiment une dinguerie, il y a des boss, un truc de fou malade. Donc ceux, les gars, qui veulent venir rouler avec moi, qui sont dans les environs, venez avec plaisir. L'arc sortie, c'est avant le géant ou Super U, pardon, ou je suis un truc comme ça. C'est avant, les gars, donc pour ceux qui veulent, hein, avec plaisir, venez. Pour ceux qui ont des spots, faut aller le mettre dans la. Ah, mon Revo se transforme en thermique. On va faire un petit saut, ça, je crois que c'est une mini bronze. Il faut en faire un saut, ça va le dé. C'est une petite branche, à mon avis, ça, les gars. Désolé pour la stabilisation du tel. Qu'est-ce que je te disais? Non, mon gars, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tiens-moi ça. Il y a l'antenne qui... C'est vrai que l'antenne, elle est un peu chiante. Oh, attends, non. Putain, c'est très fragile. On ne sent pas qu'il y ait trop de branches. C'est vrai que j'aimerais bien que la carrosserie soit bien accrochée, mais... Voilà, les gars, la Revo, il est trempé, hein. Donc j'espère que ce petit roulage va vous faire plaisir. C'est cool parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de roulage sur la chaîne. Mais en fait, les roulages, si tu veux, pour moi,
ça devient compliqué. C'est compliqué dans le sens où allez, des randonneurs. Bonjour. On est en 5200, les gars. On verra le long du run, mais à mon avis, on part contre. Bon, alors c'est vrai que les gars, j'ai pris longtemps à chercher, n'empêche, un terrain. Parce que du coup, j'ai dû me déplacer, parce qu'à Grès, j'ai pas trouvé grand-chose en terrain, à part c'est des gens des environs. C'est que Warthog à Besançon, hein. Mais Bezac, j'ai déjà regardé. J'ai rien, les gars, vous faire plus de vidéos de l'Arlarlo aussi en piste, mais faut que je trouve un circuit. Et tu sais, pas un circuit avec avec, tu sais, en gros, t'arrives, tu payes 5 euros, 10 euros, 15 euros, tu restes l'après-midi, 1 heure, 2 heures. Ce que je veux dire, t'as besoin de payer comment on appelle ça, les gars? De licence, voilà. Parce que les licences, j'avoue, des fois, ça... Donc on a un que je drive, les gars, amorti sur le Revo. De toute façon, le Revo, là, je vais le nettoyer, je vais bien nettoyer en rentrant. Il va pas rester comme ça, pour te le dire. Moi, les gars, j'utilise pas, par contre, de tout ce qui est rénovateur plastique. Moi, j'utilise pas tout ça. Un coup de muck-off, un peu. Un gros coup de soufflette pour vraiment tout dégager. Batman, tu voulais voir mon pilotage? Bah, tu vois, j'ai pas un pilotage de gros bourrin, même si truc, tu verras avec le os. Parce que là, les gars, je fais de la petite vidéo le matin là, mais après, je vais rouler avec le os. Hein. J'aurais envie d'essayer un bac, mais j'ai pas envie de le casser. C'est un régal cet engin, rien que le bruit, genre, ça c'est trop bien. Il fait un bruit incroyable. Avec le os, là on pourra faire du double, du triple, voire du quadruple, hein, avec son combo 4S. Ça régale. En plus, j'ai un peu d'autonomie, les gars, ça fait je sais pas combien de temps qu'on tourne là. Enfin, tu sais, on consomme pas grand chose. Hein. On consomme pas grand chose, grand chose. Oh, joli celui-là, dit. J'ai vu que Mani m'a mis les amortisseurs tige titane. J'ai vu que j'ai les amortisseurs j'ai les tiges titane à l'avant, donc je pense que Mani, à mon avis, quand il jump, il atterrit vers de l'avant. Moi, j'atterris ou les quatre roues en même temps, ou voilà, t'as un petit coup de frein tranquille, hein. Moi, je n'accélère pas. Ah, je vais tomber.
une voiture, attendez, je vais voir en repos. Dinguerie ce spot, vraiment. C'est une dinguerie ce spot. Ah, c'est énorme. Franchement, je suis trop content de l'avoir trouvé. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais un peu désespéré de rien trouver. J'ai envie de faire un soir jump à fond là, mais le problème, c'est j'ai pas envie de le casser. Il amortit bien, les gars. Il fait froid, donc pour ça que les gars, on n'ira pas trop fort. On ira plus fort. Il y a un peu fort qu'on sera genre en été par exemple. Heureusement il y a un peu de... Heureusement il y a un peu de soleil. Tu vois, ça me fume ça mon gars. Les voitures qui font plus de bruit que ça n'avance. C'est énorme. Oh, joli. Ouais, attends, c'est la mode de tuner ses bagnoles. Genre une Peugeot 208, tu la tunes. C'est du tuning. Les gars, en plus, les gars, avec le châssis plastique, moi, j'ai aucune peur d'atterrir sur, sur des revêtements comme ça. Non. En plus le Revo, je te rappelle qu'il a une transmission fermée. Alors c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça sur leur sled, sur le sledge, pardon. Les gars, ça aurait été pas mal. Enfin, je pense qu'on peut je pense ou faire soi-même ou y a moyen hein, les gars de faire. Toujours moyen. On a le grand stade, ce spot il est trop bien. Oh, en fait il y a des volley jumps à faire. Hein. En plus avec ces amortisseurs tu claques pas maintenant le sol, ça qui est cool aussi. Hein. J'essaie de trouver des bons terrains pour le Revo, il y a de la place. C'est dur les gars de trouver des terrains hein, quand même. C'est ce qu'il y a à dire. Hein. Pour chercher. Après il y a la carte de RC Something, je pense que je vais mettre ce terrain là. C'est un terrain hyper sympa. Là tu vois je vais faire un bac mais je pense pas que j'ai assez de pêche. Surtout que ma carrosserie volante. Déjà ce que vous pensez de cette vidéo si vous en voulez plus comme ça. On commence à avoir une petite coupe de pêche. Coupure. Coupure les gars. Coupure. Et ben voilà. Et ben c'est un petit run avec le RFO Traxxas 2.0 de Mani les gars. Donc, n'hésitez pas à comme liker si vous aimez bien ça. Tchuss les gars, là, bah là du coup vous allez voir rouler les os. A plus.